Aujourd'hui, départ d'une petite randonnée de mise en jambe dans ces derniers jours de 2023 sur des parcours que je ne connais pas. Donc on va essayer de découvrir un secteur pour voir si je pourrais faire des randonnées un peu plus longues pour les randonnées de cet été. Alors je ne sais pas si on le voit, mais au fond là-bas c'est le massif du Caroux. Et donc là je suis dans la forêt des Domaniens avec des Avamonts dans l'Hérault, à la limite du Tarn. Belle journée aujourd'hui, 30 décembre. Bientôt arriver à une cabane qu'on voit en rouge. Je sais pas si elle voit bien. On va bien voir. Bon ben la cabane est prise par les chasseurs. Voilà voilà. Bon, d'après la carte, il faudrait que je tourne à gauche pour monter au pic de Sainte-Bosille. Ah ben voilà, c'est là, un petit raidillon. Tout en haut, ben, je devrais voir le sommet que je veux atteindre à 800 mètres d'altitude, le pic Sainte-Bodille. Eh ben, ah, ça monte bien. Alors, le Caroux tout au fond. Et puis moi, mon sommet. Il est là-haut, le sommet pic Sainte-Bosille, à 800 mètres. Je vais monter là-haut, d'après la carte, il n'y a pas de sentier, mais bon, j'ai bien trouvé un passage. Et je casse la croûte là-haut. Alors effectivement, il n'y a pas de sentier du tout. Mais bon, on va y arriver. Allez, le sommet approche, le piqué là-haut. Et voilà. Allez, un petit 360 hein, depuis le sommet du pic Sainte-Bosille, 800 mètres d'altitude. Voilà, alors. Petite montagne, hein, montagne noire. Hein. Les Avamonts. Derrière moi, c'est le Tarn, vers Castres.